Bienvenue sur Terre Éternelle, je suis tout content. C'est un film dédié pour Nadine qui vient au Xapa. J'aimerais bien qu'elle vienne tout le temps à la gym, comme ça, en même temps qu'on ferait la gym, on ferait du théâtre. M'a fait découvrir ça, la bonne femme. Elle est toute petite, elle fait 40 kilos. Et alors? Moi, je veux mon film du prophète. Je fais le théâtre. Et comme ça, demain, j'aimerais bien qu'on termine le sens si ça tord, qui est Michel. Et on se le fait à la Marcel Pignol. Non, pas Pignol. À la Galabru, enfin, je sais pas. Là. Jean Gabin, là, le président, je sais pas. Je sais pas, rigoler, quoi. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça. Oh là là. Après, Alexandre le Bienheureux. Qu'est-ce que tu fais? Et rien, je mouline le mixeur parce qu'on va travailler sous la voiture. C'est de l'anticipation, tu vois. Car n'oublie jamais que aujourd'hui n'est que l'hier de demain. Question d'heure, c'est pour ça. Mathématiquement, c'est normal parce qu'il faut le prendre à l'envers. C'est comme tout sur la vie, il faut le prendre à l'envers pour comprendre l'endroit. C'est quoi à dire, mais. Alors, ça me fait des smileys, il y a des cœurs partout. Putain, c'est génial. Oui, c'est pas vrai, vraiment alpha numérique, mais entre l'alpha et l'oméga, ça, c'est le courant continu. Il y a le plus, il y a le moins, et dedans, il y a ta position dans l'espace-temps. Tu veux pas comprendre? Vu le brunet en tongue, de quoi, ma femme est grosse. Non, attends. Ouais, ça y est, je suis mandré. J'ai des smileys partout, c'est bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on répare le 106 à tort devant l'église. En fait, c'est un modèle de 92, parce que j'ai dit que des conneries, je ne savais pas au début. Qu'il a acquis en 96. Voilà, c'est ça l'histoire de la bagnole. Eh ben, si vous saviez la bonté qui m'est venue. Oh, alors là, tu peux rigoler. Regarde-moi! Bon, pour l'instant, ça va. Faut le mettre en petit zoom. Bon. J'ai ressorti l'astronef. Connexion, connexion. Ah, non, c'est pas un sketch. Une histoire d'espace-temps. Qu'es-tu venu faire sur Terre? Ça, la question. Bon. Mais pourquoi? Ça y est, ça marche plus. Combien ils sont? Combien vous êtes? C'est pas les emmerdeurs sont là. Bijou, monsieur Vincent. Non, non. C'est pas ça du tout. Non, rigole pas. Oh. Pour régler le jackpot. Non, il manque un œil. Dis donc, pourquoi la grande ourse, ça merde un peu là? Hein? Moi, c'est pas un sketch pour vendre, c'est un sketch pour vivre. Tu vois? Une extension de. Une extension. Pourquoi il y a 5? Ah, il y a 3, 5. Pourquoi il y a des 6, moi? Rien du tout. La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Tant. Voilà. Dark Vador, s'il te plaît. Tant, 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 tant. Combien de couleurs arc-en-ciel? 1, 2, 3, 6, 7.
Oh putain. Et c'est pas des dollars en fait, c'est des neufs. Et comme il suffit de deux neufs pour faire 3,6. Oh putain. Bijou, monsieur Vincent. Bon, Dark Vador, ta gueule, putain de plus. Pas chier. Eh, on peut bien déconner un peu. J'ai un moment de bon Dieu, j'ai le droit, non? C'est pour ça qu'il vous empêche. Je vois les constellations, là, il y avait le quatrain, là. Il y a une étoile qui sonne rouge. Putain de merde. C'est maintenant. Bon, maintenant, ou t'es collabo, résistant, ou t'es une sous-merde. Je sais pas, maintenant tu décides. Bon, attends. Effet de lumière. Pom, pom, pom. Après, j'ai l'autre guitare, je t'attache, j'ai envie de la monter à l'escarène. Ouais, demain on fait des sketchs. Et j'ai crié. J'avais dessiné sur la porte de mon frigidaire. Ça, c'est Titi Schiaparelli. Et Céline, pourquoi t'en vas pas? Et que. Ouais, je sais pas, moi. Il a même repeindu tout sur la porte de mon placard, tout rue Saint-Sébastien, tout. Alors c'est quoi, métro Richard Lenoir et métro, je sais plus quand. C'est très près du Bataclan en fait. Tant, 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 tant. T'en veux du Spielberg, moi je te le fais le retour du Jedi là. Tu prends un cintre en fer. Tu coupes, hop, tu mets un élastique de la poste. Le facteur a toujours un élastique. Car c'est un bon facteur. S'il dit non, c'est un connard. Bon. Et je voulais dire quoi? Il faut être l'acteur de sa vie. Faut pas ressembler aux autres. Faut être soi-même. Et surtout, faut pas de cacheton. Le problème psychiatrique, psychologique, psycho-automatique, tout ce que tu es, totrique, automatique. Non. Il est raisonnable de ne pas trop boire d'alcool. Leur taux, c'est complètement con. Je vais exactement t'expliquer pourquoi. C'est parce que, par exemple, je fonctionne très bien entre 1 gramme et 2 grammes. Mais quand tu te fais niquer parce que t'as 0,41 ou parce que t'as rien, putain, mais c'est quoi ces lois là? Oh, chacun il fonctionne comme il fonctionne, hein. Merde, hein. Et ça me fait chier. Tu vas toujours dire la vérité et puis c'est tout. C'est comme ça.